Au vu de la récurrence des délestages d'électricité dans notre pays, suscitant d'énormes désagréments dans les foyers gabonais et l'indignation de la population, tout en impactant négativement les activités économiques, le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, a tenu à échanger avec l'ensemble des acteurs du secteur énergie au Gabon, dont les syndicats de la SEG accompagnés, qu'ils étaient du vice-président de la République, du CTRI et du gouvernement. Un échange au cours duquel le ministre de l'Énergie, Jeannot Kalima, a formulé des vœux. Il s'agit pour le gouvernement, en matière d'électricité, de réaliser ce rôle de leadership que vous avez déjà fait, monsieur le président, de réaliser dans les meilleurs délais le barrage de Koukoué de 400 MW. Nous l'appelons de transformer dans le domaine de l'énergie. Une projection sur le passif de Dame SCG afin de mieux comprendre la problématique actuelle dans l'optique d'y apporter des solutions efficaces et pérennes était au programme. Il s'agissait de présenter la situation réelle de l'entreprise au lendemain du 30 août 2023 et les raisons à l'origine du malaise actuel. Le vice-président de la transition, Joseph Owando-Béa, ancien cadre de la SCG, a traduit toute sa désolation tout en revenant sur la notion du service public essentiel, exigence pour une productivité assumée et efficace. C'est le moment effectivement de la restauration des institutions, mais celui de la restauration du service public de l'eau et de l'électricité. Je parle avec gravité parce que l'heure est grave. Vous voulez revenir sur l'égalité de traitement qui aurait dû être normalement une égalité des droits. Je m'explique. Chaque citoyen a droit à ce service. Aujourd'hui, il est réservé à ceux qui ont les moyens d'avoir chez eux ou un forage ou un groupe électrogène. Ce n'est pas acceptable. L'ensemble du personnel de la Société d'énergie et d'eau du Gabon est donc invité à faire preuve de professionnalisme afin de solutionner à son niveau tous les manquements observés à ce jour et occasionnant une gêne générale, pour ne pas dire des soucis permanents pour l'ensemble des riverains.